Salut tout le monde, ici Charles Deschamps, nouveau projet. Si t'as envie de voir c'est quoi la vie d'humoriste en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube. Sinon, je suis en spectacle partout au Québec et au charlesdeschamps.com. Épisode 97 avec Seb Haché. Ah oui, le beau Seb. Ben et en plus, aujourd'hui, on a plein de choses à plugger. Comme si vous voulez des billets pour assister au Gang Show, maintenant sont accessibles en priorité au palier Patreon à 7$. Fait que patreon.com/legangshow si vous voulez voir le Gang Show en live au bordel. Puis on donne aussi les autres événements un peu avant tout le monde là-dessus. Ouais, sinon, autre show à plugger, ben c'est mon show. Vous allez voir ça sur anthonyremillard.ca ou .com. Avant 2024, il me reste 6 dates en fait. Mais il y en a une sold out. Il me reste Valleyfield, il me reste Québec au studio TELUS le 2 novembre. Sinon, j'ai Montréal au bordel. J'ai étudié Montréal au bordel. Je leur dis là. T'as pas dit qu'il était sold out, c'est pour ça que t'as une supplémentaire à Montréal au bordel. Exactement. C'est ça que t'as pas dit. Wow, sinon, j'ai Gatineau aussi et Longueuil. Fait que venez voir ça. Puis d'autres dates en 2024. Ok, c'est ça. Et Chuck, a quelque chose à plugger oui, aussi. Oui, ben c'est rare. Mettons en fait, qu'on voudrait apprendre avec toi quelque chose. T'as-tu quelque chose à nous proposer? Mon Dieu, c'est incroyable que tu m'en parles, Charles. Absolument, j'ai une formation pour toi. Parce que, merci les gars de me donner l'opportunité. C'est le temps, en fait, que je commence ma formation à l'École nationale de l'humour, en fait, en podcast. Ça fait 3 ans que je donne des cours de podcast. Si ça tente de lancer ton podcast, de A à Z, je te montre tous les rudiments, l'équipement que tu as besoin de te procurer, le montage, la publication, les stratégies marketing, absolument tout. Et ça se fait dans le confort de ton foyer par Zoom. Donc, tu as juste à t'inscrire à l'École nationale de l'humour. C'est pas obligé d'être drôle, là. Ça peut être un podcast sur n'importe quoi. Et on a beaucoup de plaisir. Ça se passe les lundis soirs et ça commence ce lundi. Là. Ça commence ce lundi. Fait que si tu veux lancer ton podcast, c'est le moment. Viens-t'en dans le YouTube game. Yeah. Bon épisode. Yeah. That's it. Merci, les gars. Et pour nous aider à juger les humoristes, on a un de nos amis qui vient nous aider à donner des commentaires constructifs. J'aimerais ça qu'on accueille Sébastien Haché, s'il vous plaît. T'es ta Seb! Hello les gens! Comment tu vas, le beau Seb? Ça va bien, toi? Très bien. Bon, fantastique. Toi, t'as déjà fait en route vers un premier gala. Comment t'avais trouvé ça, tu sais, te faire juger par des juges? Ah, c'est horrible, horrible. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes? Ah, pensez pas à ça, pour vrai. Moi, je suis mauvais dans ce genre de situation-là. Je fais juste penser au fait qu'il y a des gens qui me jugent, puis là, je suis nul à chier. Fait que faites pas ça. Faites juste votre affaire, puis ça va bien aller. Jusqu'à temps que Charlie gagne, puis que vous dise... Que c'est nul à chier. Bon, OK. Avant qu'on commence ça, il y a juste quelques petites règles. Vous avez fermé au cellulaire. Pas parler durant les humoristes. Votre job à vous autres, c'est de les encourager, de rire fort leurs blagues. Nous autres, c'est notre rôle d'être méchants. Est-ce que ça vous tente de commencer ce show-là? Oh, plus fort que ça! Seb Wanto, je vous laisse présenter le premier invité. Oui! S'il vous plaît, tout le monde, mettez vos mains ensemble pour le premier, Olivier Pratt! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yeah! Je m'appelle Olivier Pratt et je mesure 5 pieds 7, la grandeur idéale pour être le meilleur ami des femmes. Et moi, dans la vie, j'ai un rêve, OK? Moi, j'ai un rêve, c'est de me faire pousser les cheveux mi-longs avec la barbe du gars qui boit de la microbrasserie, arriver dans un feu de camp avec ma guitare, puis faire chier tout le monde. Et ce soir, je vais vivre mon rêve avec vous, hein? All right! On peut applaudir, on a le droit, hein? Hey, salut tout le monde, comment ça va? Hey, je m'appelle Olivier, mais vous pouvez m'appeler Johan. Ah quoi? Ah. Vous voulez que je vous joue une chanson? Vous savez, j'ai une guitare. Passant, je suis vegan. Bon, des gens qui aimeraient ça avoir ma petite recette de petites bouts de pas de viande, là, vous pouvez aller la chercher sur mon site internet, là, le www.jetemets3fois par jour.com. Ah.
La prochaine chanson, c'est une chanson qui parle des gens qui portent des masques dans la vie puis qui sont pas vrais avec les autres. Puis moi, je suis vrai avec les autres. Puis tout, puis, hein? Oh, ferme ta gueule, puis joue ta toune. Oh, ben, OK. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Danser. Pour ça, je l'avais déjà dit que je te vegan. Hey, Brassard Comedy Club, j'ai le goût de vous en jouer une deuxième. J'ai le goût de vous jouer une petite chanson d'amour, de sexe, de plat. Toi, gars. Toi. C'est ça, c'est non, là. Olivier Prat! Allô? Allô, Oli, t'as bien ouvert le show dans le sens que tu me donnes énormément de jus pour donner des commentaires. Ah, yeah! J'aime ça! Oli, je me sentais comme quand j'avais 16 ans puis qu'on était à un party puis qu'il y avait le petit frère de 12 ans qui venait puis qui avait bu tous nos restes de bière puis qui était trop saoul, qui faisait « Allez, checker, il m'a fait un sketch! » On était comme « Non, arrête! » Puis il était comme « Non, ouais, va continuer! » Puis on était prisonniers de ça. Ah, ben c'est le temps! Mais je t'avais jamais vu, on dirait. Je te vois passer sur plein de pacing, je te vois sur Facebook. Ouais. T'es pas venu faire ton meilleur stock? Ben ouais. Ben non! Ah ouais? Ouais! Non! Non, je suis venu faire du stock. Pourquoi faire le meilleur quand il y a trois d'autres qui sont juste là pour te dire de la merde? Ben ouais, hein? C'est ça, tu sais. Bon, je vais sortir mon meilleur stock pour sortir fini d'ici puis pleurer. Ben non, encore. Ouais, il a l'air content, moi, M. Deschamps. Moi, j'ai trouvé que tu me faisais sentir vraiment bien par rapport à mes skills en guitare, puis ça, j'apprécie, parce que... ça, j'aime ça. J'ai vu que t'étais mauvais, ça, c'est cool. J'ai de la misère à dire des commentaires négatifs, Olivier, parce que moi, l'année passée, j'ai enseigné l'humour à Olivier, tu comprends? Fait que s'il est bon de même... T'as manqué ta shot! C'est un peu ça que je voulais dire, mais bref. Moi, je trouve ça bon, mais il faudrait juste que tu mettes des blagues. C'est vrai, ça. On me le dit souvent, mais j'écoute pas. Je suis comme juste... Moi, je veux juste de l'attention du monde. Il y a comme quoi 15 personnes à soir, plus 3 personnes ici, ça fait 17. Ça, c'est quand même pas pire. Fait que non, c'est ça, puis ça manque de blagues. Ouais. Mais c'est... Je sais que ça manque de... Je sais pas comment écrire des blagues. Peut-être que je devrais changer d'enseignant de ouais, il faudrait leur voir ça, parce que visiblement, il a raté son coup. je sais. Non, mais t'as une présence sur scène, tu montes, je suis comme, OK, ça va être chill, ça va... Ouais. Puis ça manquait de... De drive, ça manquait de punch. Ouais, t'as Chris, ton seul gag qui était écrit en gag, c'était « Je te fourre 3 fois par jour ». Puis je l'ai ri, mais pas. Attends, moi je pense qu'il y avait une stratégie mathématique derrière son numéro, OK? C'est que quelqu'un qui est mauvais, qui joue quelqu'un de mauvais, c'est dit deux négatifs vont faire un positif, puis ça a pas marché. Ouais. Mais il était pas mauvais. Non, c'était juste correct. Oui. Non, mais c'est correct. T'sais, moi, je suis très à l'aise à dire qu'il n'y avait pas de blague, là, mais... Mais c'est un excellent TED Talk, cela dit. C'est ça. Non, mais moi, je pense que si je ne deviens pas humoriste, je sois sûr de devenir justement TED Talk ou gourou. Genre, un des deux, parler ben, des gens. Ben, t'as coupe de cheveux pour moi. Ben ouais, c'est ça. T'sais, je vais m'appeler James Cayfield, comme dans le temps, là, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, puis ça va être le fun. Non, c'est pas... Regarde, as-tu vu, il n'y a pas de punch, là, non. Non, je t'ai déjà vu animer une soirée du monde, je pense, à Varenne, puis t'étais plus punchy que ça. Là, on aurait dit une mauvaise chronique des grandes gueules en fin de carrière. Ben, c'est quand même un bon compliment, je trouve. Non, mais en fait, je pense que c'est le stress de venir ici. Comme M. Haché disait, je pense que je suis comme lui un peu, tu sais. Genre, bon quand personne n'est là.
Puis que, non, non, mais en fait, je pense que c'est ça. Je pense que quand il y a trop de stress comme là, j'ai du stress. Puis là, on dirait que je dis n'importe quoi. Puis me regarder, c'est comme, hey, c'est bizarre comment il parle. Puis là, je suis comme, c'est pas effectivement, c'est vraiment hot. Non, faut pas que tu perdes confiance. Là. C'est pas si pire là, non, en non, ce non, moment. Mais c'est vrai que ça s'est senti. Quand tu as dit bonsoir tout le monde, t'as comme mué. Puis. C'est vrai, j'étais comme oui, genre. Il commence à être temps. Je me suis dit, ah, c'est peut-être ça son personnage de scène. Finalement, c'était clairement le stress. Fait que ça a peut-être joué sur la performance. Là. Fait que, probablement. Mais moi, je t'ai déjà vu jouer dans des conditions 100 fois plus pires que ça. Puis t'étais bien meilleur que ça. Fait que, c'est vrai. T'es peut-être un humoriste qui est fait pour jouer les mauvaises soirées. Soirées. Ouais. Ouais. J'en ai tellement fait. On en fait tellement quand on commence qu'à un moment donné, quand que c'est des belles soirées, on les scrappe. C'est une mauvaise stratégie, ça. Ben, on aurait pu demander au monde de y sortir, en fait, mais en garder juste 2-3 qui n'ont pas le goût de rire, puis ça aurait été meilleur. Mais, Oli, merci d'avoir ouvert le show. J'ai essayé quelque chose. Merci beaucoup, tout le monde. Olivier Pratt, tout le monde. Et on continue ça avec Marzad Lari. Allô tout le monde, allô tout le monde. Donc moi c'est Marzad, j'ai commencé l'humour il y a 2 secondes en fait, non, il y a un mois et demi environ, puis j'ai commencé ça parce qu'en fait un ami m'a daré de le faire en fait, c'était un challenge, il m'a dit « t'es pas game de monter sur scène ». Puis là ce qu'il faut comprendre c'est que dans vie, j'ai l'air très classique mais je mange des culs, fait qu'à un moment donné, tu sais je veux dire… Moi, faire l'amour, c'est genre la roulette russe, man. On sait jamais, tu sais. Fait que je suis game en tabarnak dans la vie. En même temps, je suis un homme gay, brun, gros, anglophone, vivant au Québec, avec François Legault comme premier ministre. Fait qu'il faut être game dans la vie pour vivre ici, dans ces circonstances-là. On va se le dire entre nous, tu sais, je suis très fier d'être Québécois et iranien, mais au Québec, on peut être parfois un peu raciste. Puis là, je sais, je veux pas qu'on soit outré, c'est entre nous et YouTube, mais c'est sûr qu'au Québec, on est un peu raciste, mais genre raciste cute. Tu sais, comme raciste cutie pie, genre, je suis pas raciste, mais, tu sais, comme, on est ce niveau de raciste-là. Puis je trouve que mon racisme québécois sort beaucoup à une seule place, dans le parking du Costco. Dans le parking, je vous jure, dans le parking du Costco, je sais pas, tu sais, genre, je suis sa route, je suis heureux, je suis content, ma musique iranienne elle joue, je suis bon, tu sais, je suis comme international. Puis là, tout à coup, je tourne dans le Costco, puis je suis comme Roger de Valleyfield, you know, like I'm really, really angry. Puis tout à coup, je suis comme, c'est Bagdad ici, calice, c'est quoi ces routes-là, parque-toi comme du monde, Abdul, out, tu sais. I get really, really worked up, puis je comprends pas, tu sais, je comprends zéro ce persona-là qui sort. Puis je suis avec des clients il y a 2 semaines, un couple super cute, 65 ans, vraiment, vraiment adorable. On cherche une très belle maison, beau budget. Really, je compte immobilier pour ceux qui ne savent pas. Beau budget. Puis tout à coup, la madame, elle se retourne très sérieusement, puis elle me regarde, puis elle est comme, Marzad, tu sais, y a-tu beaucoup de Noirs qui viennent par ici, tu sais? Puis là, je suis comme, bitch! Tu sais, comme, dans ma tête, genre, comment tu réponds à ça? Déjà, j'étais outré parce que, comme, c'est inacceptable de poser cette question-là, tu sais. Mais aussi, genre, comment expliquer à cette dame que, là, une heure, mon voisin noir me venait sa face? Tu sais, comme, comment je lui explique? Tu sais, c'est comme un... I don't know! I just don't know! Tu sais, fait que, je suis devant Ginette, puis je suis comme, oui... Plusieurs fois par semaine, même. Oui, il y a plusieurs Noirs qui viennent ici par semaine. Je te jure. Moi, je suis sorti du placard à 19 ans. J'ai explosé du placard à 19 ans. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours quand même eu plus de facilité avec les femmes qu'avec les gars. Je suis toujours plus pogné avec les femmes. Je sais pas si c'est parce que je suis comme grand, costaud, beau, charmant, magnifique, mais que genre, ils don't feel comfortable. Mais les gays, c'est comme next level superficiel, tu sais, c'est une autre game, les gays, tu sais, genre, on est assez intense dans la vie quand ça vient au dating, puis dans le fond, un gay a 2 critères quand il cherche un partenaire sexuel. Puis là, vous vous dites, c'est sûrement le charisme, la bienveillance, non, ben, c'est un gros cul puis une grosse queue. That's all they want. All we want are 2 things. C'est réussi! Yeah! Merci beaucoup. Je
toujours de prendre le mic. Ben, c'est correct. It's because I'm not a professional, you know? Not yet. Ben, bravo, man. Pour vrai, moi, j'ai trouvé ça très bon, là. Vous? T'as un charisme incroyable sur scène. Ça, une fois oublié que t'as un camel couille. Ah, attends, je vois rien que ça. C'est... It's the leggings. It's all for you. J'ai une grosse bédaine, il faut que j'aie une grosse queue aussi. Là. I mean, oui, like, it has to balance out. Mais tu remarqueras, j'ai dit camel couille et non camel queue. Non, mais pour de vrai, t'as un charisme enivrant, c'est vraiment le fun. T'as-tu une montre intelligente? Ew, no. Non, OK, parce que si t'en avais une, t'aurais vraiment pu avoir tes 10 000 pas par jour juste pendant ton 3 minutes. C'est fou. Bon, I like to stay active. C'est parfait. Mais on a, ça peut aider à la concentration du public d'être plus des fois fixe quand dans une prémisse, tu veux qu'il y ait l'attention et tout ça. Okay. Puis ça donne un look un peu nerveux. T'as quelqu'un qui marche beaucoup, mais t'as un charisme incroyable. I don't know what you're talking about. Mais charisme le fun, manque un peu de joke au pied carré. Okay. Mais t'es un raconteur né, t'es le fun à écouter. C'est bien compensé par le charisme. T'sais. Ouais. Parfait. Les beaux, ils ont toujours tout dans la vie, c'est rock. Mais oui, c'est la deuxième fois que tu viens, puis je pense que la première fois, tu m'avais plus étonné, t'avais l'air plus confiant. Ouais. C'était peut-être l'insouciance de la première fois. Là, je te sentais plus stressé. Là, c'est comme, tu sais, la première fois, ça a bien été, fait que là, je suis comme, fuck, like, imagine if I fuck up now. Ouais, oui. C'est comme... Mais t'as quand même bien réussi. Mais t'as passé, là, mais on risque de se faire ramasser dans les commentaires. Ah, pourquoi vous l'avez laissé passer? C'est parce qu'il est gay? Oui, mais. Non. Pourquoi gay? Thank you! Je suis habitué, bébé. That's what I ride the wave all my life. Like, Mais c'est juste dommage pour toi que la presse ait déjà fait son billet sur les humoristes queer qui monte parce qu'il y en aura pas dans... Il était pas brun, so listen, I'm coming, bitch. Non, mais t'as un fou potentiel, mais c'est ça. Ça se voyait plus le manque d'expérience vu que tu piétinais et tout, mais pour vrai, t'es super sympathique puis tu sais écrire des jokes, faut juste... condenser un peu plus. Tu joues combien de fois par semaine, moi? C'est ma troisième fois. D'où? Trouve-toi du booking, calice, là. Trouve-moi du booking, calice! OK, on... on s'écrit demain, je m'arrange. Mais je fais le open mic lundi. Bon, c'est déjà ça. C'est la quatrième fois. Mais go! I'm ready! Ben, moi, je veux te dire, là, si ça peut t'aider pour ton prochain show lundi, là, ce que j'ai trouvé écœurant, c'est qu'on dit tout le temps aux humoristes qu'il faut qu'ils parlent d'eux, qu'on veut apprendre à les connaître quand t'es sur scène. Puis toi, en dedans de trois minutes, on a su que tu manges des culs, tu te dis d'en face. Je veux dire, pour moi, on a fait le tour de toute ta personnalité. C'est nice. Par contre, t'aurais juste pu dire « Je suis courtier immobilier » puis on aurait deviné parce qu'on a tout Pornhub puis on sait que c'est des salopes. Bon gag. I'm sorry. Wow. Ben, good job pour vrai. Beau deuxième passage. Merci. Marzad Larry, tout le monde! Wow. Et on continue ça avec Fredo! Fredo, tout le monde! Hey, bonsoir tout le monde. On a-tu des hommes troncs dans la salle ce soir? Vous pouvez applaudir, soyez pas gênés. OK. Si ça vous dérange pas, je vais juste prendre mes mains pour écrire « Il y en a eu zéro ». J'espère que ça n'a pas créé de froid parmi les membres de la salle. Je voudrais pas avoir une poursuite, il paraît que ça coûte un bras. Je parle d'une poursuite judiciaire, pas à pied. Je sais que vous avez pas de jambes, là. Non, je suis pas venu ici pour faire ça, guys. Je voudrais vous faire une imitation, OK? Ça va comme suit. Est-ce qu'il y a là? C'est Jeffrey Dahmer! Mais guys, bon, moi, dans la vie, j'ai la tourette, OK? Ça fait que si pendant le show, mettons, je fais des affaires inappropriées, genre, faut vraiment pas que vous le preniez personnel. Genre, je fais pas exprès. Je suis né de même. Fait intéressant sur moi, ça fait 4 ans que je suis marié. Vous pouvez applaudir. Hein? Ça fait 4 ans que je suis marié. Ça veut dire que ça fait 4 ans qu'à chaque soir, je fais la vaisselle, puis qu'une fois par mois, je me fais manger le cul à 4 pattes. Alors, les jeudis, c'est elle qui a fait la vaisselle. ma femme, dans la vie, elle étudie dans le domaine médical, puis il a fallu qu'elle passe le test Casper pour faire ça. C'est un test pour filtrer les gens.
Puis c'est pour tes social skills, pour voir si on n'a pas des fous. Là, il ne faut pas juste que tu sois bright, right? Puis dans le fond, le genre de questions qu'on peut avoir, c'est, mettons, t'enseignes dans une classe, c'est la journée en plastique pour la fête des pères. Il y a un kid qui vient te voir et dit « Moi, monsieur, j'ai deux mamans. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, on fait quoi avec ça? Je sais pas, hein? Alors, mais il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Je voulais juste avoir patiné un peu, là. Guys, sans joke, pour vrai. Pour vrai, là, c'est un test qui est super important. Puis on le voit que ça fonctionne parce qu'en 2009, il y a un seul cardiologue qui a poignardé ses enfants. Rien qu'un. Vous avez peut-être remarqué, j'ai non seulement la tourette, l'accoutrement d'un agresseur sexuel, mais j'ai aussi un œil qui louche. C'est pas que j'ai pas essayé, guys. L'opération, elle coûte fucking cher. Puis récemment, j'ai appris que Justin Trudeau donnait 75 000 $ pour les opérations de changement de sexe. Puis moi, j'ai pas une crise de scène pour voir drette. Ça me fait chier. Et là, t'es en train de me dire, Justin, que demain matin, si je me lève, je fais comme, ah, you know what? 3 pouces, c'est juste un gros clit. Coupe mes couilles. 75 000 dans mon compte chèque. Fredo! Juste avant le spectacle, il y a quelqu'un qui me dit qu'il fallait pas te présenter sur ton vrai nom. Je comprends pourquoi. Toutes tes blagues à la fin là, sur les personnes trans, ça c'était la tourette qui t'a fait dire ça. Dis oui. Tu voulais pas. Dis oui, dis oui. Trans? Les jokes, ça est trans? Hein? Ah, le changement de sexe? Oui. Ouais. Non, mais tout le bit, c'était un gros tic. Je vais le refaire tantôt. C'est quoi la pire affaire que t'as dit sur avec ton syndrome de la tourette? Mettons c'est quoi la pire situation que t'as vécue? À part ce soir, là. Ben là, tu m'as devancé, là. C'était ça. Oh, okay. Mais t'as fait une joke de Jeffrey Dahmer, puis pour vrai, moi, depuis que tu nous regardes, là, je comprends, man. Si, tu me fais peur aussi, un petit peu. Moi, je pense que les gens n'ont pas beaucoup ri à cause, premièrement, les pantalons cargo, là, ça les a fuckés, Anastie. T'es comme, non, ça c'est non, on n'accepte pas ça. Ouais. Par contre, moi, j'étais très content quand t'es arrivé, parce que quand ils ont nommé juste Fredo, je pensais que ça allait être Fredo le magicien. Ça, c'est non. Je peux hit un gong sans le toucher. C'est ça, mon tour. Bon, mais c'est quoi ton background de scène? J'ai fait 8 fois des open mic. OK. C'est ça. OK. C'est tout. Ouais. Ben, c'est assez. Oui. Non, mais ça paraît. Non, mais ça fit dans où est-ce que t'es rendu. C'est full chill. J'ai vu beaucoup d'essais. Pas que t'as foiré, mais je trouve ça cool que en 3 minutes, on dirait que t'as expérimenté l'absurde, t'as expérimenté le trash, t'as expérimenté un gag de props, t'as expérimenté. Et c'est la meilleure chose pour apprendre, pour se développer. Fait good job pour ça. Faut juste après ça que tu t'en sois conscient. Je te souhaite d'être conscient de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas pour évoluer là-dedans. Mais c'est à ça que ça sert les shows au début. Les shows pas captés. Les shows pas captés. Non, mais faut que je me voie là, si je veux voir les défauts. Ça suffit pas juste de filmer. Un téléphone à 200$, une caméra dessus, là, tu peux filmer. Alors, je le veux en 4K. 300$, t'en as en 4K. Il voit croche, donne-lui une chance, il prend du 4K. C'était vrai. Non. Okay, ça m'a vraiment fait rire parce que maintenant, t'as parlé à un gars dans la salle, t'as posé une question, puis là, tu lui as dit je voulais juste te voir patiner. Ouais. Ça m'a fait rire en crise parce que nous, ça faisait 2 minutes et demie qu'on te voyait patiner oui. Solide. C'était bon, hein? Puis, en humour, une des expressions qu'on dit quand ça va bien, c'est j'ai tout tué. Pour Jeffrey Dahmer, t'as pas tué grand monde à ce soir, là. Ouais, à part l'ambiance, là. Oui. Hey, mais Fredo, pour vrai, merci d'être venu. Merci. Good job. Fredo! On vous dérange en plein milieu d'épisode. En même temps, on vous dérange pas. Je veux dire, c'est gratuit, ce show-là. fait que, gars, on fait ce qu'on veut. Et
un autre qui fait ce qu'il veut avec son cash. C'est Pro-Cafetière qui Pro-Cafetière.ca qui nous aide et qui aide tout le monde à boire du bon café avec des machines, avec du café, avec des accessoires. Ça part dans toutes les gammes. Ils sont situés à Varennes. Ouais, puis il faut de la vente en ligne et en vrai en taux. Ouais, j'ai fait le saut, j'avais mal mis le tu sais, tu peux trier genre par prix les machines. Ouais. Puis c'était j'avais mal mis ça, puis là j'étais tombé les premières cafetières à 25 000. J'étais comme oh. Fait que mettons tu te pars un business, ça vaut la peine. Sinon tu peux y aller un peu plus bas là, genre 23 000. Non mais il y en a de toutes les gammes, il y a de toutes les sortes. Et moi j'ai été chez Pro Cafetière, puis je trouve qu'il y a une différence entre acheter à une compagnie puis acheter à des passionnés. Ouais. Puis là-bas c'est ça que j'ai senti, c'est des passionnés de café, ils te parlent de... Je suis resté là 2 heures. Je voulais du café. C'était long comme commission. C'était beaucoup trop long. C'est des vrais passionnés, ils sont le fun, ils savent cibler les besoins du monde, ils savent comment ils répondent, sont vraiment cool. Faut acheter en ligne ou en vrai au magasin. Puis sinon, ben c'est ça, là, procafetière.ca. Puis Charles et moi, on est chacun en tournée avec nos shows solo. Notre nom, .ca ou .com. Moi, c'est juste .com. Ah, loser. On retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Adrien Lebray! Pas stressé en tout. Fait que c'est ça, moi, je me suis jamais crissé de doigt dans le cul. Je sais que ça commence hard un peu, là, mais c'est parce que je vais expliquer ma démarche artistique pour m'avoir rendu là. C'est que dans le fond, je sais que les juges, ils aiment qu'on parle de nous. Fait que là, je me suis dit, tu sais, je vais parler peut-être que je viens de la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, pis tout. Mais justement, j'arrive de là, la péninsule acadienne, là. Ça fait 10 heures de char que je fais, là, puis là, je suis fatigué, puis je veux parler de doigts dans le cul, OK? C'est correct? Fait que c'est ça, j'ai jamais eu de doigts dans le cul, mais j'ai absolument rien contre ça, là, vraiment, là, c'est... Tu sais, moi, je suis all-in pour ça, l'homme moderne qui se finger l'anus, j'ai absolument rien contre ça. C'est juste que moi, quand il y a des doigts d'impliquer, on dirait que je trouve que ça devient trop glamour comme pratique. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais... Un petit douai avec une bague en or, puis des diamants, puis des ongles en gel, tu veux dire, dans ma craque de cul, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait trop d'argent dans mes fesses, pis j'ai l'impression de pas tout avoir déclaré aux impôts, là. Tu sais, sinon, je sais plus comment pisser devant les gens non plus. Je sais, c'est so-so comme transfert de sujet, là. C'est juste que je vais expliquer ma démarche artistique pour ça. C'est que dans le fond, j'avais pour 3 minutes de cul, mais je trouvais que c'était lourd après un bout. Fait que je me suis dit, ils m'ont parlé de pisse, ce style. Fait que c'est ça, non, mais je sais plus comment pisser devant le monde, mais c'est que moi, j'ai tout le temps fait attention aux urinoirs, tu sais, je visais à l'extérieur de l'eau, tu sais, je forçais pas trop. Bref, je respectais mon prochain. Mais il y a un moment donné, il y a un dude qui s'est installé à côté de moi, puis lui, non. Lui s'est dit, je me décalisse l'urette. Puis c'était tellement mâle comme geste, c'était tellement alpha, c'est pas des jokes, je me suis senti soumis, esti. J'étais là, ça y est, esti, je suis sa blonde. Chris, le gars, il pissait tellement mal que je suis devenu sa blonde, esti, ça te donne une idée? Fait que là, c'est sûr que les journées d'ensuite, moi, j'arrive aux urinoirs, esti, puis je suis là, let's go, je me dévisse le sphincter, esti, show them boys that alpha pee-pee noise, mais tu sais, ça, c'est ma réaction à moi, là, faut comprendre que le commun des mortels, là, quand que ça arrive, là, ils trouvent juste ça, dégueulasse, esti, là. Il n'y a personne qui est impressionné par ça. Arrivez pas chez vous le soir, esti, impressionnez votre blonde avec votre petit pressure washer. Là, ça ne marchera pas. Là. La seule chose qui va l'impressionner, c'est l'esti de retour partout sur les murs de la salle de bain. C'est dégueulasse. Là. Fait que... Je l'ai-tu eu? Tu l'as eu! T'étais pas censé avoir une lumière rouge à chaque bord. Charles, t'as oublié la lumière. À une seconde près, là. Ah, oh, OK, fait que je l'ai on n'a pas été timé à 100%, là, mais... Mais t'as réussi! T'as réussi! T'as réussi! Ouais. Mais qu'est-ce que m'a l'air déçu, là?
Non, non, c'est bol. Je sentais, je vais vous le dire tout de suite, puis vous allez me le dire aussi, là, j'étais stressé en tabarnak. Oui, oui. Hein? J'essaie de parler des petites mains avec les ongles en or. Les ongles en or, avec les bagues en or, puis je me... Peut-être t'aurais juste une meilleure circulation sanguine si tes jeans seraient un peu moins tight, pour vrai. C'est super, ça aide à te détendre, pour vrai. Je pense que j'arrive à deviner c'est quoi ta marque de cigarette. Il est circoncis, lui, hein? Mais pour vrai, ben c'est ça, ça paraissait que t'étais stressé, oui. Puis tu revenais sur ton X... Aux 10 secondes, genre, t'étais dans bonne zone, puis t'étais. Tu te déstressais à certains moments, puis j'étais comme, OK, ça paraît que t'as du métier. C'est pas la première fois que tu montes sur scène. C'est la première fois que je monte sur scène. Fuck off. Oh, il t'a déjoué? Fuck off. Ah, tu connais rien à l'humour. Oh! Ouais, jamais fait ça avant. Hein? Jamais fait ça avant. Pour vrai? Ouais. Good job. Merci. Tabarnak. Non, pour vrai, t'es... Merci. Mais là, t'habites ici maintenant, t'as pas ridé pour vrai 10 heures de char pour c'est venir faire vrai. Ça. C'est vrai. Si j'ai fait 10 heures de route pour ces 3 minutes de marde là, man. Pour vrai? Oh yes, man. T'arrives de où exactement? Hein? T'arrives de où exactement? Tracadie au Nouveau-Brunswick. Oh, shit, man. C'est 9h30, 10h, là. Tracadie, là, où les gens se parquent pour regarder le monde passer. Exact, ouais. Connais mon Tracadie. Attends, t'as aucune autre activité de prévue, là? Ben, j'ai comme un podcast demain, là, mais j'ai une petite affaire de... Il travaille demain à 8h pour qu'il retourne. Là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé... Excuse-moi. Ah non, vas-y, vas-y, non, vas-y, non, vas-y, 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 vas-y. Non, vas-y. Non, non, non. Ah, OK, je voyais. J'ai beaucoup aimé ça, pour vrai. Mon appréciation a fait quand même, au début, j'étais là. À un moment donné, j'ai fait, non, OK, les jokes de doigts dans le cul, ça revenait souvent. Là, à un moment donné, j'ai fait, je parlais pas juste de ça, parler que moi qui pisse. Puis j'ai fait, ah, OK, fait, ça va être ça, là, tout le long. Fait, j'ai comme accepté, puis là, j'ai commencé à apprécier pleinement à ce moment-là. Ça, évidemment, ça manque un peu de blagues au pied carré, là, mais ça va venir là, en faisant, pour vrai, là, pas de problème. Puis moi, je veux juste qu'on fasse une mention spéciale. À un moment donné, t'as dit quelque chose comme « Show some love for some alpha pipi noise ». Yeah, yeah. Je pensais que ça méritait d'être répété. Là. C'est excellent. Pour de vrai, Adrien, t'as quelque chose de super sympathique sur scène, de super le fun. On a le goût de t'écouter. T'as-tu le goût d'en refaire? Oui, oui, oui. Ben, parce que si tu m'aurais dit non, je t'aurais donné aucun conseil. J'aurais dû décoller. Oh, non, je veux. Oui, OK. Je veux. Quand tu cherches ton texte, souvent, on regarde plus le public, on regarde, t'as regardé en bas souvent, on regarde en haut. Tu te sauves du public aussi, mais t'as l'air plus comme penseur que comme gêné. C'est un petit truc que les humoristes utilisent. J'aime ça. Ouais, moi non plus, je fais... Je regarde à terre encore, moi. C'est pour ça que Olivier Pratt s'en a donné ce que c'est. Bon. Mais honnêtement, ça, apprends à travailler des textes. Il y a plein de livres comme The Comedy Bible qui peuvent t'apprendre les procédures humoristiques, mais t'as quelque chose de vraiment sympathique sur scène qui est vraiment le fun. T'as de quoi d'unique, en fait? C'est pour ça que tu m'as déjoué, même si tu manquais de gags. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Tout, tu... Pas grand-chose, je relaxe. Mais... Je suis militaire. T'es-tu sur TikTok? Beaucoup? C'est ça. Yes. C'est peut-être pour ça que je prenais pour acquis que... Mais c'est ça. C'était pas que j'étais bon aussi un petit peu. Hein? C'était pas que j'étais bon aussi. Ben, t'as été bon, oui! Non, mais t'as déjà une personnalité comique. T'as une façon d'aborder, même si t'as parlé de doigts dans le cul, t'as ta personnalité d'écriture, mais c'est ça que je voulais dire. C'était pas à tout moment qu'on faisait comme « Ah, ça, c'est unique à lui », mais t'étais sur ton X à certains moments. C'est pour ça que tu m'as déjoué. Je me répète, bravo, t'étais bon, mais moi, j'ai failli te gagner. Je t'aurais gagné. Ah ouais? Okay. Ouais. Tu mérites moyen. Mais là, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, décide! Non, mais j'aurais gagné pour qu'ils comprennent que, comme, travail. Non, là, t'es juste fâché parce que... Ouais, ouais, je suis juste mon ego aussi. Bravo, t'es bon. Hey, applaudissements! Adrien, plug ton TikTok. C'est quoi que le doigt? Est-ce que. C'est quoi ton TikTok? Adrien Lebret, c'est partout. C'est TikTok, Instagram, partout. Blablabla. Très cool! Ça met un plug ever! Okay. Et on continue ça avec Delphine Lestage-Archambault! Bonsoir. Moi, je déménage bientôt à Montréal. J'ai décidé de laisser ma job à 20$ de l'heure pour venir vivre la crise du logement.
Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'ai lu que dans les droits de locataire, les proprios, ils n'ont pas le droit d'imposer ou d'interdire un mode de paiement. Fait que moi, mon proprio, ça va être le père fucking show à mon ami. Fait que j'espère pouvoir le payer en nature. aussi, j'ai lu dans Le Devoir qu'apparemment que le Québec serait en pénurie de logements. Moi, je crois pas à ça. C'est un scam, cette affaire-là. Je veux dire, si c'était vrai, expliquez-moi pourquoi mon père a 6 propriétés. Il est concierge, là. Il est concierge, puis t'sais, selon l'idée générale, ce monde-là, ils font pas d'argent. Moi, j'ai longtemps cru ça, tellement que quand j'étais enfant, puis que les autres enfants me disaient « Ton père, là, il est pas fort, le mien, il est plus fort. » Je m'obstinais même pas. Je le savais qu'il avait raison. Mais je travaillais pour mon père avant, parce qu'il y a une entreprise d'entretien ménager. C'est ça, je faisais du ménage, mais je peux pas vous dire où est-ce que je faisais du ménage. Par contre, c'est comme un peu une banque, sauf qu'à la place que tu peux juste retirer ou déposer de l'argent là-bas, tu peux aussi te faire voler ton identité! non, mais ça paye quand même très bien, là, être concierge, mais ça reste que c'est considéré comme un sous-métier. Mais un moment donné, genre tellement que mon père, il travaillait, puis il y a un membre de l'UDA, que je ne vais pas nommer, qui l'a vu passer la mop, puis il a garoché un 20$. Il était sûr que mon père en avait besoin. Si seulement il savait que mon père était à ça d'acheter la place du parc, la promenade de Passego et réclamer 200$. Une fois, j'ai fait cette blague-là à mon ami anticapitaliste marxiste. Puis c'est comme ça que j'ai compris l'ampleur de la richesse à mon père, parce que, ben, c'est plus mon ami. Henri, si t'écoutes ça, je m'excuse. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse que mon père soit riche en tabarnak. Mais j'ai toujours pensé qu'on était dans la classe moyenne. Parce que, tu sais, ma mère, elle achetait des produits sans nom, puis mon père... Ah! Fuck! J'ai raté le premier coup de gagne. Désolé pour ça. T'es plus mon ami, toi non plus. Mais c'était le fin de l'estage, Archambault. Bravo. Ouais. Avant que les deux autres t'insultent, où est-ce que t'as acheté ta cravate du Colonel Sander? Non, mais je l'aime, j'en veux une. Au okay. PFK, qu'est-ce que tu penses? Delphine, j'ai gagné parce que je t'ai vu. Ben, ton premier show à vie, tu l'avais fait ici. Oui. Tu m'avais flabbergasté, t'avais été oui. solide. La deuxième fois, j'avais pas été là, mais j'avais vu l'extrait, puis t'étais super bonne. Puis là, je t'ai senti nerveux, je t'ai senti un peu under de tes deux autres shows. Fait que je t'ai gagné en mode, genre, t'es capable de mieux. Puis, fait que c'est pour ça, t'avais beaucoup de petits gagounets oui. aussi. Puis je pense que je l'ai senti au début, tu arrivais quand même très confiante, tu savais ce que tu allais faire. Puis j'ai senti ta confiance à un moment donné un peu s'effriter sur scène. Puis là, ça a pas remonté. Mais t'as des angles, t'as des propos super le fun. Genre, t'as de quoi vraiment à offrir, mais là, c'était mal offert. Je peux te couper? Oui. Oh! Mon premier gang show, c'est toi qui m'as dit de parler plus du fait que j'étais concierge. Fait que c'est de ta faute, Anthony. Oh! Oh! Fait que y a pas juste moi qui est mauvais prof ici. Tabarnak! Je savais pas qu'il fallait que je dise la phrase « parle plus de conciergerie avec des blagues », là. C'est un bundle. True. Okay. Mais good job. Ouais, beau travail, beau travail. Moi, pour vrai, je trouve que tu ressembles à une poupée des années 50. Genre merci. Possédé avec la gueule qui... bref. Je vais le prendre, je vais le prendre. On c'est quand même nice. Au début, ça m'a fait beaucoup rire, bro, parce que t'as dit « Moi, j'ai lâché une job à 20$ de l'heure pour venir habiter à Montréal », comme si 20$ en 2023, c'était beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent pour moi. Ouais, mais tu vas voir, le mec, tu cherches un appart, tu vas te dire que c'est pas un scam en esti, la crise du logement, parce que, ouais, en tout cas, ben, c'est pas drôle, ça. Mais non, c'était pas vrai, là, j'y crois, la crise du logement.
C'était un ongle, c'est tout. C'est-tu Anthony qui t'avait dit de... Ouais, c'est encore à cause d'Anthony. OK, mais tant qu'à reparler de moi, j'avais oublié de dire pleure plus comme ça après un gag de faussement joué. C'était vraiment... C'était pas... Oh, non, non, moi, non. Moi, j'étais juste à vous dire que l'ami que j'ai parlé de, je pense qu'il regarde en live, fait qu'il doit être hyper malaisé. Fait que je suis désolée. Non, mais c'est un pattern qui a souvent été fait de se mettre à faussement pleurer. Faut bien le jouer ou le jouer sketch en tabarnak voulu deuxième degré. Là, c'était comme pas clair. C'était ce que tu voulais faire. Je savais même pas moi-même. Ah, voilà. C'est ça qui a apparu. Fait que j'ai fini. Je voulais juste dire que c'était pas bon, ça. Là. C'était vraiment à chier du calice. Là. C'était vraiment dégueulasse. Non, pas dégueulasse. Toi, Charles? Delphine. J'adore ton aplomb. Ah ouais, t'as... Delphine Lestage, on dirait que Lestage, c'est pour « laisse pas ta job ». Ben, tu sais... C'est le pire jeu de beau encore, encore... Ça a pas passé. Encore une fois, la deuxième fois que je suis venue, tu m'as dit de lâcher ma job. T'as-tu comme un petit côté autiste que tu te rappelles de tout? Non, j'ai réécouté mes gang shows genre avant hier parce que je me demandais s'il y avait des blagues que j'avais déjà fait que j'ai mis dans mon numéro, mais clairement pas parce qu'ils étaient pas bonnes. Ah, j'ai tellement pas hâte dans 8 ans mais qu'on se recroise puis tu vas me dire tu m'avais dit que je ressemblais à une poupée des années 50. Fait que j'ai pas la peine. Non. Ben c'est pas grave parce que je l'ai déjà. Ah. Attends, comment ça t'as une pin? Parce que vous les avez donnés! Ah, non, c'est pas la bonne pin! C'est pas la même pin! Ah, c'est pas la même pin du gondon! Non, ça c'est un macaron, t'es bien conne! Ben, ça t'as du plastique dans les poches! Nous, c'est du métal qu'on donne! J'étais sûr, c'est la même affaire! Ben c'est non! Cheap, là, c'est sûr, c'est cheap, qu'est-ce que vous donnez? Non! Oh, man! Hey, mais pour vrai, Delphine, c'est zéro grave qu'on t'ait gagné. Genre, ben, je sais que c'est pas grave parce que je m'en vais à l'école de l'humour. Fait que... Yeah! Fuck yeah! Et Sébastien va t'enseigner! Et Sébastien va t'enseigner! Pour vrai? Non. J'aurais aimé ça. Non, mais d'ici une couple d'années, l'école va sûrement m'appeler pour me dire arrête de donner des cours, tu joues à nos plates-bandes. Mais c'est-tu ton troisième numéro à vie que t'écrivais, Jean? Non, c'est comme mon quatrième. OK. Mais celui-là, je l'avais pas testé, là. Ah, bon, okay. Mais c'est full normal dans la courbe d'apprentissage. Genre, on a tout, là, même encore, on en teste des fois, puis ça marche pas. Fait que, prochaine fois, fais juste les tester avant de les capter. Ben oui. Oui. Bonne idée. Mais là, c'est vrai que je déménage à Montréal, je vais pouvoir tester plus mes blagues. Fuck yeah! Ben, ouais, somme toute, j'ai l'impression qu'on a été full négatif, mais pour vrai, moi, j'ai trouvé pas pire, pour vrai. Là, ben, c'est merci. Pas une catastrophe. Mais oui, t'es plus drôle dans les commentaires que durant le numéro. Ben, tant mieux. Oui, je vais rattraper. Delphine Lestage, Archambault! Bravo! Le beau Seb, il reste seulement un humoriste avant la fin de ta participation. Oui. T'as-tu des shit à plugger? T'as-tu des projets qui sont le fun à nous jaser? Ouais. Ben, pour ceux qui nous écoutent live, les autres qui écoutent ça à Noël, ben là, trop tard. Attends, je te coupe. Tu veux dire les 300 personnes qui nous écoutent? Yeah. 300! Oh, shit! Shit! Le 18 août prochain, je fais mon genre un nouveau spectacle qui s'appelle Tirer à blanc. C'est moi qui raconte tout comment je suis infertile puis que j'ai réussi à avoir un enfant. C'est drôle en tabarnak. Y a-tu des jokes de queue? Il y a quelques jokes de queue, évidemment. Là, on s'en sort pas. Il n'y aurait pas de doigts dans les fesses, par exemple. Les billets sont disponibles sur où? Sur le site du Terminal. Vous allez sur le site du Terminal Comedy Club. Sinon, aussi à l'automne, peut-être plus pour ceux qui vont le pogner, les cheap, là, qui le pognent sur YouTube. Là. je sors un balado là, mi-octobre là, à Radio-Canada sur l'infertilité encore, pourquoi c'est tabou. Puis là, c'est un peu comique, puis tout ça. Puis il va y avoir des bouts de spectacle dedans, puis là, tout est dans tout. Puis voilà, c'est ça. C'est bien nice. Ouais. Bon, très cool. Est-ce que vous êtes prêts pour le dernier invité de la première partie? On l'aime, on l'adore, Théo Top!
Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va encore bien? Très content d'être ici ce soir avec vous. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté ça, là, mais l'année passée, il y a quelqu'un qui m'a donné un chien. Okay? Par applaudissement, les gens qui aiment les chiens. OK, fait que je suis pas tout seul. Okay. Non, moi, je l'aime au bout de mon chien. La seule affaire, c'est que je trouve que des fois, des drôles d'habitudes, là, c'est comme l'autre fois, tu sais, je rentre chez nous, il part à courir, toi, la queue, il branlait de même, il était content de me voir, tu sais. Ben, moi aussi, j'étais content, mais ça paraissait moins. Un moment donné, il arrive en plein milieu du passage, puis il se met à slicher le paquet. Ah! C'est moi ou ça a brisé le moment? Là, je te parle même pas de quand tu vas chez quelqu'un puis qu'il y a un chien, c'est fatiguant, ça. Hey, moi, j'ai un de mes chums qui est un berger allemand, OK? Puis à chaque fois, je rentre chez eux. Attends, boy, hop là, hé, monsieur! Puis son chien, il est pire. Allez, votre temps, là. Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est pas tout le monde qui se préoccupe des petits besoins de son chien. Hein? Tu sais, comme par exemple, là, mon ami au berger allemand, un moment donné, j'étais chez eux, on était dans sa cuisine, t'es en train de jaser. Son chien avait super envie, lui s'en occupait. Zéro pin-bar, OK? Écoute, il en faisait pitié. Tellement qu'en dernier, il était rendu à essayer de se débarrer à la porte lui-même avec une carte de crédit. Là. Faut le faire, hein? Non, mais à un moment donné, j'ai pas le choix de dire, là, yo, si jamais tu repasses par ton salon, ben, tu regarderas sur ton tapis, là, ton chien vient de te laisser un message en braille. Et je sais pas, moi, je suis pas un professionnel, là, mais d'après moi, c'est écrit « Trop tard ». Mais moi... Il n'est jamais trop tard. Moi, mon chien, c'est facile de le savoir quand il a trop envie. Que son troisième œil clignote, OK? Non, non, tu le vois que ça presse. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'un coup dehors, ça presse plus. Il a beau faire moins 31. Il faut qu'il trouve le spot idéal. Non, non, moi, je vous le dis. Le mien, s'il pouvait s'amener le journal, est-ce qu'il ferait? OK? Non, puis quand tu promènes ton chien, si tu fatiguant, un maudit voisin qui arrête pas de te regarder comme si t'étais pas pour ramasser le caca, hey, je m'excuse. T'es au top! What? Charles, j'ai-tu gagné trop tard ou t'as 3 minutes? Fait que pour le montage, c'était 2,56. C'est ça. Théo, t'as oui. Tout ce qu'il faut, pour vrai. Ben, c'est pas la première fois que tu fais le gang, mais on dirait, tu sais, t'as parlé de chien pendant 3 minutes avec 4 prémices, mais chaque prémisse méritait d'être poussé encore plus loin. C'est comme si t'avais des beaux angles fun. Puis à un moment donné, quand t'as dit « Mais je vous ai toujours pas parlé de les chiens chez les gens qui savent pas. » J'étais comme « Ah, t'as déjà fini l'histoire de ton chien qui se liche les couilles? » J'étais comme « Ben, tu nous emmènes sur des anecdotes, puis finalement, c'est des gags. Je sais pas comment le dire plus. Ouais, c'est des amorces. Ouais, il manquait. Mais pourtant, Chris... Je te connais, t'es capable, t'es punché habituellement. Tu me dis ça à chaque fois, si. Je me rappelle quand je t'ai vu, si. J'ai dû puncher dans une autre vie, tabarnak. T'as déjà punché une fille? Non, j'ai dû puncher dans une autre vie. Oh, dans t'inquiète, il annonce ça live, lui. Là. Ben, moi, je trouve que. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je te vois faire des shows, puis effectivement, je trouve que t'es comme punché souvent, mais on dirait que c'est comme dilué à travers plein d'espèces de petites blagues un peu boboches, années 90, puis je suis comme, ah, ça perd son efficacité, on dirait, tu sais, à cause de ça. C'est pour aller avec le costume. Ouais. Ça soulève un autre point, là. T'as tellement l'air d'un stand-up dans GTA Vice City. Ouais, <c'est... rire>
Si tantôt on parlait de camel couille, tout c'est camel tout. Heureusement, il y a comme un design, fait qu'on dirait qu'on perd le relief un peu. Là. Mais moi je comprends pas le personnage, tu sais, parce que le fun d'un personnage, c'est justement d'aller ailleurs que ce que toi tu ferais, mais alors que là, j'ai juste l'impression que c'est toi dans un saut de louche, tu sais. Et fun fact, ça fait des années qu'on se croise, tu sais, à faire des shows, puis je pense que je t'ai jamais vu sans ton hostie de saut, pour vrai, même une heure avant le show, puis ça me fait peur. C'est Arnaud Soli. J'ai des drones. Qu'est-ce que ça allait dire? C'est que, non, c'est parce que j'ai des drôles d'habitude, là, c'est pour ça, c'est tout. mais oui, pour vrai, ben je me répète, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Moi aussi. Oui? T'as-tu des affaires à plugger? Je ne sais pas, vaut-tu la peine? Hey, mais pour revenir à ce que Seb disait, je pense que c'est vrai que c'est il est là le problème. C'est le personnage peut te permettre d'aller fucking loin dans des trucs pétés, puis tu nous fais un stand-up, c'est chien, ultra classique. Je pense que c'est ça. Ça a joué un peu contre toi, là. Ça fait quatre personnes qui parlent de doigts, puis de bouffer le cul, puis de cul. Ouais, ça, c'est vrai. Mais cela dit, il y avait une bonne blague au début, là. Ça, faut pas le sous-estimer. Là. Quand tu dis, tu demandes au monde, y en a-tu qui aiment les chiens? Puis tout le monde applaudit. Puis tu nous dis, oh, OK, je suis pas tout seul. C'est comme ça, une libération. Ça, c'était bien joué. Un bon gars. OK, ben je vais quand même plugger mon TikTok, là, au cas où qu'il y en ait trois qui aiment aimé ce que j'ai fait, là. Fait que fais aller me suivre sur TikTok. T'es au top. C'est ça. T'es au top! Hey, en passant, c'est même pas des jokes. Je l'ai stalké sur Facebook pour écrire des jokes sur ton personnage et il y a un gars aux États-Unis qui travaille pour la NASA qui s'appelle Théo Top. Pauvre lui quand il se fait googler pour un job et qu'il tombe. C'est tout fait, je le dis. T'es-tu sur LinkedIn? Que ça l'aide, effectivement. Théo Top, encore une fois! Un énorme merci d'avoir été là, Seb. Je te remets un petit cadeau. C'est un cahier du Gang Show qui va venir. Il l'a déjà? J'en veux deux. Je veux la pine en plastique qui compte pas aussi. On va te donner ça après le show. Un gros merci de m'avoir invité. Moi, je suis le genre de gars qu'on invite à l'épisode 108 à peu près d'habitude. Puis je suis content, c'est ça. Puis à 98. Louise Richer vient le mois prochain. Fait que Qu'est-ce? Je suis bien placé. Je suis en avant de Louise. C'est fuck elle. Sébastien Haché, tout le monde! C'était un super bon épisode. Merci d'avoir été là. Et là, en ce moment, je parle dans... C'est quoi ça, Chuck? Ça, c'est un SM7B. C'est un micro qu'on peut utiliser pour faire un podcast. Et ça tombe bien parce que je donne une formation de podcast qui commence ce lundi. Et c'est le fun parce que ça se passe par Zoom. Tu fais ça à partir de chez vous, là, carrément. De A à Z, t'apprends tout sur le podcast. Et je vais t'aider à lancer ton balado. Alors voilà. Anto, dites quoi? Ben oui, le podcast, c'est vraiment une belle plateforme pour les gens qui sont pas capables de monter sur scène au Gang Show. Pas chier, On dirait que tu parles de nous. Non, parle de moi. Non, je parlais même pas de toi, je parlais des participants qui se plantent. Peut-être que finalement, t'es meilleur à juste discuter, puis pas écrire des blagues. C'était ça, la joke. Mais si tu le prends personnel, c'est ton problème. C'est vrai. Mais il est excellent. Chuck. Le maître du podcast du Québec. Oh, t'es fin, arrêtez ça, les gars, je vais rougir. Sinon, abonne-toi, like, subscribe. Yeah.